Bonjour tout le monde, c'est 6K. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la sixième partie de ce Finish the Game ou Finir le jeu consacré à Remember Me. Donc voilà, alors c'est parti, nous allons continuer. Donc là, c'est comme ça, voilà. Ah ouais, là c'est bon, de toute façon, ma jauge de vie est remplie. C'était quoi cette chose? Sûrement une nouvelle forme de mutation. Peut-être une espèce plus évoluée de Leaper. J'ai ressenti tellement de rage et de souffrance dans son esprit. Sors vite du métro. Qui sait ce qui pourrait encore s'y cacher. Ok, je sors du métro. Je vais voir quand même, mais bon, normalement, non. Ah, si, c'est ça. Ah, bah voilà. Ah mince. Carnage. Carnage. Voilà. C'est bon. Je suis occupé de son cas. Maintenant, continuons. Continuons l'aventure. Ah, je peux pas aller par là? Non. Ah oui, d'accord, ok. Admire la folie de notre époque. Des familles vivaient ici. La gouvernante les a délogés pour construire le barrage Saint-Michel et sécuriser la forteresse de la Bastille. Comment ça? Je comprends pas. Reste tranquille. Tu t'agites pire qu'un chat dans une centrifugeuse. Encore une dernière patrouille, et puis ils vont noyer tout le quartier. Ok? Moi, j'ai bien entendu quelque chose. Je sais pas si ça aide plus tard. Ok, Johnny, voyons comment tu faisais. Ah, des mines. Des mines. Attention, mine. Attendez. Mais où tu es? La Bastille n'est plus très loin d'ici. Ok, si tu le dis. Mais des gens vivaient ici? Des parias, des êtres misérables, qu'il était nécessaire d'éloigner de la toute nouvelle forteresse de la Bastille. La Bastille, ok.
des mines. Bien joué, Niline. Encore 97 chutes et c'est bon. Non mais où est-ce qu'il est ? Oh là là, c'est pas vrai. Putain, je vais mourir là. Je vais mourir. Ah bah voilà, de toute façon c'est... Parce que là j'ai du mal à suivre, là je fais n'importe quoi. Ah là 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 là, bon allez. Calmons-nous, nous allons... le refaire, et cette fois-ci, Inch'Allah que ce soit la bonne. Ah oui, voilà, j'ai compris. Non ? Voilà ! Ah bah j'en ai mis du temps. Ah bah voilà ! Là, je suis tranquille. Ça sent le boss là, non ? Citoyens, vous êtes sur le coup d'un mandat d'arrêt Sigma 8. Rendez-vous immédiatement. Et alors, comment on bat ? Seul le spammer sera efficace contre les ennemis robotiques. Le spammer, c'est quoi déjà ? Voilà. Ah d'accord, j'ai compris. D'accord, j'ai compris. Il se régénère à chaque fois. Lâche-moi maintenant.
Mais je comprends pas, c'est quoi le souci? Je comprends pas, oh là là. Je peux cut. D'accord. Une main me suffit pour te broyer. Ah mais j'ai pas beaucoup de vie là. Ah là là, j'ai perdu. De toute façon, j'ai compris à peu près ce qu'il fallait faire. Enfin, je pense, du moins. Overloadé. Ok. D'accord. Mince! Oh, c'est pas vrai. Donc ok, je voir si je peux l'attaquer comme ça, non, même pas. Ah.
Bon sang. Oh là là, mais... Oh, c'est pas vrai. J'espère que je vais réussir parce que là, il m'a l'air assez coriace. Ou c'est moi qui joue mal, hein, tout simplement. Sans... Oh, bon sang. C'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Voilà. Mince, là j'ai fait n'importe quoi. De recharger un peu plus mon truc là. Mince. Thank you.
Non, c'est pas vrai. Oh, vas-y. Vas-y, vas-y, tu es nul, toi, tu es nul. Ou peut-être c'est moi qui est nul, là, je fais n'importe quoi, là, mais un truc de fou. Non, mais je comprends pas comment il faut le battre au dernier moment, là. Oui, seul spammer est efficace, etc., mais... Et là, elle vise... C'est la suite après, bon sang. Tactique intéressante. Ça te fait rien, ça je comprends pas. Pas là. C'est ça que j'arrive pas à comprendre.
Ah bah voilà, j'ai compris. Attends, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, j'ai compris. Ah bah voilà, j'ai compris, bah il a fallu du temps. C'était simple, mais c'est moi qui fais l'idiot, franchement. Je suis vraiment nul, ça c'est moins que l'on puisse dire. Ok, elle va dans les égouts, sa chlingue à mort, elle a rien pour se protéger, même pas un masque. Eh ben dis donc, elle a du courage. Réincarnation. Ok, c'est sympa. La souffrance de l'emprisonnement réside dans le fait que l'on peut en aucun cas, en aucun moment, s'évader soi-même. La forteresse de la Bastille, la plus célèbre prison d'Europe. Ces patients y sont dépossédés de leurs souvenirs quand ils arrivent. Ils ne leur sont rendus qu'une fois leur peine purgée. Incapables de se souvenir du monde, les prisonniers de la Bastille ne rêvent même plus d'y retourner. Ce modèle d'efficacité perverse est dirigé par Madame, la féroce gouverneure de la Bastille. Régnant sans partage sur les corps et les esprits, elle est la seule à connaître la clé des serveurs de confinement mémoriel. Après mon arrestation, c'est là-bas que j'ai été incarcérée avec les autres terroristes. Maintenant, Edge veut m'y renvoyer, pour libérer nos compagnons et ma mémoire sous séquestre. J'avoue qu'à l'idée d'y retourner et de retrouver qui j'étais, je frémis de joie et de terreur. Ok, là on va. Là on va dans l'épisode 4. On commence l'épisode 4. Icône panoptique. Ok. Bon bah après je pense que je vais en arrêter là. Hein. Je veux juste avoir davantage ça sur ça, mais après je vais en arrêter. Seule Madame dispose d'un accès au serveur mémoriel de la Bastille. Trace la garce. Trouve comment les atteindre. Ok. Bon, bah, je pense que j'en arrêtais là pour aujourd'hui. Donc voilà. Alors, c'était 6K qui vous a fait le sixième finish the game consacré à Remember Me. Donc voilà, la sixième partie du finish the game sur Remember Me. Donc voilà, et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Enfin plutôt, je vous dis à très bientôt pour la septième partie de ce Finish the Game. Allez les amis, je vous dis ciao tout le monde!